Sud Radio. Yvan Cugius. Loft Music. Spécial prix Moustaki des nouveaux talents. Nous sommes au centre universitaire Malesherbes de l'université de la Sorbonne à Paris pour ce Loft Music spécial final du prix Moustaki qui récompense l'album autoproduit de l'année ou sorti chez un indépendant. Nous aurons ce soir donc en finale 7 artistes qui ont été sélectionnés par un jury de professionnels et qui interpréteront chacun 2 titres. Les lauréats recevront ensuite un soutien financier, des programmations de concerts et nous offrirons nous à Sud Radio, à notre coup de cœur, l'enregistrement multipiste de sa prestation sur scène ce soir pour qu'il puisse aller la faire écouter et puis se vendre auprès des professionnels qui sont toujours friands d'enregistrement pour juger des chansons. Résultat demain donc à la fin du Loft Music, nous allons vous présenter maintenant tous les finalistes et écouter leurs chansons en live. À vous de juger, suspense. Le Loft Music spécial prix Moustaki, c'est maintenant. C'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sous un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté. J'avais tout donné, oh, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, qui m'a fait aimer même la solitude. Je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour qui s'appelle Jolière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour. Et s'appelle Joliette. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être là, nombreux, pour cette 6e édition du prix Moustaki. Je m'appelle Yvan Cugius. J'ai une petite... particularité, ouais, il n'y a pas ma famille, mais pourtant il y a des gens qui crient, et c'est bien, c'est agréable. C'est pas pour me gronder, j'espère, c'est pas encore. J'ai la particularité, disais-je, de connaître ce métier par la scène et puis par le biais des studios de radio, puisque parallèlement à ça, j'anime une émission sur un média qui s'appelle Sud Radio tous les jours à 20h, où il y a une belle place aux nouveaux talents, ou en tout cas aux gens qui passent pas ailleurs. On essaie de maintenir ça parce que les places sont de plus en plus chères dans les médias que vous connaissez. Et je suis ravi à ce titre-là que le média de Sud Radio vienne soutenir le prix Moustaki ce soir en enregistrant une émission qui sera diffusée, je regarde, les 15 et 16 mars, donc sur l'antenne de Sud Radio,
C'est quand même à peu près 80 émetteurs en France, donc c'est toujours une petite exposition sympa. Et donc, vous pourrez entendre ça les 15 et 16 mars prochains. C'est donc ce soir la 6e à 20h. On est comme à la maison, hein, si vous ne comprenez pas des trucs, vous me demandez, tout va bien. Et puis, pour démarrer eh bien, cette 6e édition du Prix Moustaki, je vais appeler sur scène et remercier Kent et Oldelaf qui vont nous dire un petit mot s'ils sont arrivés, s'ils sont là. Kent, président du jury, et Oldelaf, parrain de cette 6e édition. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci d'être là, Kent. Super. Salut. Oldelaf est là où il va arriver, j'imagine. Bon, de toute façon, on l'aura au moins, si c'est pas au micro, pour parler, pour chanter à la fin. Kent, merci d'être là, d'être présent. Et de... C'est quelque chose que tu fais couramment ou que tu as déjà fait, être dans un jury? À dire vrai, non, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Alors, ça s'est fait, très bien. Mais j'aime beaucoup Mathias Vincenot et son travail sur la chanson. C'est pour ça que j'ai accepté quand il m'a demandé. En fait, c'est la deuxième fois que je fais ça. La première fois, c'était il n'y a pas longtemps, c'était au mois de décembre, c'était au Japon, où j'étais président d'un jury de chansons françaises chantées par des étudiants japonais. Oh, original, bien. Donc voilà, je cherche toujours la difficulté. Voilà. L'idée, c'est quand même de les chercher le talent où il démarre. Où il est, et puis voilà. il est partout, on le sait. Non, bien. Pas la consécration. Des consacrés. C'est ça, oui. Voilà, et puis de toute façon, tous les lauréats seront récompensés quasiment ce soir, d'une manière ou d'une autre. Simplement, je reparle Sud Radio, pardonnez-moi, mais on offrira nous, à chaque lauréat, à chaque finaliste, l'enregistrement de sa prestation, de son passage en multipiste qui permettra d'avoir une qualité comme ça d'enregistrement pour aller se vendre, aller proposer, aller faire écouter. Quoi. C'est important d'avoir des outils pour pouvoir faire écouter ce qu'on fait. C'est surtout un super souvenir pour plus tard. Absolument. Parlons plutôt de souvenirs que d'outils. Tu as raison, c'est un mot que je préfère. Merci en tout cas à tous ceux qui sont là. On va démarrer, merci Kent de ta présence et de ton intervention. On va démarrer cette soirée, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter messieurs. Mais non, on peut commencer. Alors, pendant qu'Anastasia se prépare pour venir investir cette scène devant vous, elle va ouvrir la soirée, Anastasia. Je vais juste vous donner le nom des artistes que vous allez découvrir ou réentendre pour certains. Anastasia, donc, Pauline Dran, Eskelina, Aiko Boy, Orso Jezenska, pardon, François Puyalto, Zo. Et nous aurons ensuite un moment de délibération pour vous, messieurs et mesdames du jury, afin d'élire le prix Georges Moustaki de cette année 2016. Merci d'accueillir, donc, pour ouvrir cette soirée, le premier artiste qui vient devant vous, Anastasia. Le Loft Music Sud Radio. Spécial prix Moustaki des nouveaux talents. Du lundi au vendredi, 9h-11h, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. 9h30, le choix de l'invité. 10h, le grand débat. 10h40, le forum. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, en direct. Au 0826 300 300. Le grand référendum Sud Radio. Libre. Et citoyen. Leclerc. Mathilde, je peux me faire un petit café Senseo ? Oui, vas-y maman, tu sais comment ça marche. Les dosettes sont dans le placard, hein. J'ai trouvé. Dites donc, vous avez ce qu'il faut. 30% de réduction immédiate sur les dosettes Senseo en ce moment chez Leclerc. C'est parce qu'un bon café, c'est important, que du 16 au 26 mars, le paquet de Senseo classique Corseo Doux de 48 dosettes plus 6 gratuites, avec 30% de réduction immédiate, est à 3,36€, soit 8,96€ le kilo après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Un bon café comme ça, avec 30% de réduction. Chez Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Laura est scotchée sur son portable. Laura est scotchée sur son portable et ne parle à personne. Laura est scotchée sur son portable et ne parle à personne d'autre que Vincent, qu'elle vient de rencontrer sur l'appli Mythique. Rencontrez des gens autour de vous avec l'appli Mythique. Téléchargez-la gratuitement. Mythique. Sud Radio, en Gironde. À Arcachon, sur 100.4. Bon, à vos skis. Aujourd'hui, on s'attaque à une descente de prix spectaculaire chez SFR. En ce moment, les forfaits 4G sont à moins 10€ par mois pendant un an. Alors, pas question de louper le virage, hein. Jusqu'au 29 mars, pendant le mois SFR, profitez de 10€ de remise par mois pendant un an sur les forfaits 4G dès le starter 1 giga de SFR. Offre soumise à condition, valable pour toute nouvelle souscription d'un forfait starter 1 giga et plus avec portabilité. Remise valable hors changement d'offre 4G sous réserve de couverture. Sud Radio, Yvan Cugius, Loft Music, spécial prix Moustaki des nouveaux talents. Parmi les artistes sélectionnés qui sont en finale du prix Moustaki, 6e édition, ici depuis la Sorbonne, il y a Anastasia. Bonsoir Anastasia, bonjour.
Bonjour, bonsoir. On t'a déjà croisé, tu es déjà passé par le Loft Music, on est ravis de te retrouver ici. Pareil. Tu viens de Mulhouse et tu vas ce soir donc interpréter deux titres sur cette scène de la Sorbonne. C'était pas simple. Et Amazon, ta petite histoire t'a conduit à deux albums. Le deuxième est sorti il y a peu de temps. Il s'appelle Aquatofana, c'est ça? Exact. Tu seras accompagné par une contrebasse et une batterie et toi-même guitare-voix. Parle-nous en deux mots de ton univers musical, Anastasia. Je suis une grande fan de soul music, d'infrabasse, de chansons françaises un petit peu torturées, mais pas que. Ouais. Et voilà, donc ça touche à pas mal. J'adore les chanteuses soul black, les grandes voix du jazz aussi. Ouais. Et voilà, les voix torturées justement aussi, elle est quoi les Ouais, bah, j'aime bien parler Billie Holiday, j'aime bien. Mais après j'adore aussi la Fitzgerald qui est plus solaire. Mais voilà, j'aime bien toutes ces grandes voix soul qui vont de l'aigu au grave ou qui sentent la note comme j'aime les entendre et la sensibilité qu'on peut trouver dans une note seulement. Donc ça j'aime bien. Et t'aimes les notes bleues. Les notes bleues, ouais. Les petites choses à côté qui font justement le petit supplément, c'est ça? Ouais, un peu les notes fausses même, j'aime bien. Ouais. Exactement, qui sont juste à côté en fait. Voilà, ouais, carrément. On parle de Brésil, de Jamaïque, de tropique, de chaleur dans ta musique aussi. Il y a une influence latine. Ouais, ça, je pense que ça vient tout simplement du jazz qui part un petit peu partout. On peut retrouver le jazz dans n'importe quelle music world ou le world dans n'importe quelle musique jazz. Je sais pas trop dans quel sens. En Afrique aussi. Le dire en Afrique aussi. En fait, la rythmique, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est rythmique. Oui. Ah oui, bien sûr, je vois tout à fait. Et puis je m'en rappelle surtout. Qu'est-ce qu'on appelle groove organique? Le groove organique, alors moi je peux parler un peu de la musique glitch qui est une partie de l'électro. Le glitch c'est un peu une dérive des sons trafiqués par ordinateur. C'est un défaut en fait, on dirait que la musique glitch, il y a tout qui est branlant quand on l'écoute, mais en fait il y a tout qui groove. Donc j'aime en fait entendre le son qui sort d'une table ou d'un bois, d'un métal, d'un truc qui tourne, d'une clic-clic, d'une horloge, des trucs comme ça. Ouais. Tu perçois comment cette finale du prix Moustaki et t'attends quoi de ce prix? J'attends de jouer. j'ai envie de jouer là. J'attends pas grand chose à part de me présenter en fait, de dire voilà, je suis là, j'ai sorti mon album. Voilà, si ça vous plaît, venez me voir sur scène. J'attends pas la couronne de la grande reine, mais. Mm-hmm. Tu es traqueuse. Tu fais une différence entre le fait de jouer devant un public sans professionnel et un jury par exemple. Public, c'est un public quel qu'il soit. Ouais, c'est un public tel qu'il soit. Ça. Bon, à mon avis, avant de monter sur scène, je vais pas te dire la même chose. Mais ça va. Là, je suis zen. J'ai envie de jouer, donc j'ai envie de donner ma musique. Grande expérience de la scène ou quelques dates, hein, je crois quand même. Ouais, j'ai fait quelques dates et j'ai fait notamment la première partie, voilà, de M au Francofolie en 2013. Oui, sur quelle scène? Sur la grande scène, ouais, Jean d'Arc, ouais. Bien sûr, Printemps de Bourges. Ouais, alors ça j'ai fait pas mal de off au Printemps de Bourges, oui. Après quelques grandes petites scènes du off. Oui. Et Festival de Marne avec Brigitte Fontaine. Ouais, ça c'était aussi. Première partie de Brigitte 2014. Fontaine, ouais, super. Ouais, c'était cool, ouais. Super. Et même la première partie de Patrick Bruel. Mais non. Ouais. Ah, ça c'est un truc de ouf. Anastasia, on te souhaite bonne chance. Le titre donc qu'on va écouter c'était pas simple. Okay. Et j'espère que ça le sera pour ce soir. Bel enchaînement. Salut Anastasia, bonne chance. Salut, merci. Que je tiens au bout du doigt, je te crèverai le mille, je te percerai le foie. Je suis prise dans la dérive, m'étouffe avec ma salive, perds le nord et puis des fois pense à ce que je vais faire de toi. On pourrait tout oublier, comme c'était simple à tes côtés. On avait tout dans les mains, on avait tous les atouts. On misait sûr et certain sur des rythmes à moitié fous. C'était pas simple, non, c'était pas simple. C'était pas un jeu, c'était sérieux. C'était pas simple, non, c'était pas simple. C'était pas un jeu, c'était nous deux. J'ai bu tout l'acétone, rempli mon verre de silicone. Dilue le fruit, distille la fleur, imbibe la faute, enflamme la liqueur. Buvons à nos joies, oublions la scène, 11 ans déjà que nous partagions nos gènes. Qu'on pensait fantastique, folle et amnésique. Tragique déboire de l'amour que l'on dit.
tragiques aléas de la vie que l'on mène. Les morceaux de ma jeunesse ont laissé place à des rodéos d'humeur où les mots riment âpres, où les idéaux demeurent. On pourrait tout oublier, comme c'était simple à tes côtés. On avait tout dans les mains, on avait tous les atouts. On misait sûr et certain sur des rythmes à moitié fous. C'était pas simple, non, c'était pas simple. C'était pas un jeu, c'était sérieux. C'était pas simple, non, c'était pas simple. C'était pas un jeu, c'était nous deux. C'était pas simple. Non. Quand je dors, les gorgones dansent et leurs serpents s'agitent. Les anges pleurent et les démons m'habitent. Tu vois, aujourd'hui, je vomis tout. J'aiguise ma lame et déguise mes stratagèmes. Il te reste une oreille, ta tige et ta main gauche. Pendant que tu sommeilles, je me gave de dépôts. J'enraye sur de forailles, j'ai peur, je pisse dans les poches. Tu as lâché ma main au-dessus du vide. Au-dessus du vide. C'était pas simple, non, c'était pas simple. C'était pas un jeu, c'était sérieux. C'était pas simple, non, c'était pas simple. C'était pas un jeu, c'était nous deux. C'était pas simple. C'était pas simple. Non. C'était pas simple. Merci Anastasia. Tiens, regarde, tu viens me rejoindre en attendant que Denis Collinon nous rejoigne. Je te passe ce micro pour que tu m'accompagnes et qu'on vienne devant, parce que pendant ce temps-là, eh bien, Pauline Dran, va s'installer. Je voulais juste qu'on me dise un petit mot. On entend toutes ces influences qui sont les tiennes, ce groove, mais aussi, je le sais, cette passion pour les voix du jazz en particulier, comme tu me le disais, Ella Fitzgerald ou Billie Holiday, qui sont des voix très habitées, très. On dit souvent que c'est par les failles que passe la lumière. Elles ont des failles, ces voix. C'est les voix qui te font vraiment vibrer particulièrement à toi. Oui, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, bien sûr. Mais il y a aussi Erika Badu, il y a Tusca Yoté, il y a aussi énormément de voix. C'est vrai que je suis assez branchée voix féminine. Il y a aussi Kendrick Lamar, il y a aussi pas mal de gars de la soul que j'aime beaucoup. Denis, tu es directeur donc, du Festival de Marne et tu soutiens, tu as rejoint le prix Moustaki parce que vous avez finalement une ligne éditoriale commune. Hein. Oui, bonsoir. Ouais, c'est une convergence. Nous, on est dans le spectacle vivant. On essaie et on réussit à faire monter des gens sur scène, des gens qui sont en début de carrière, en tout début de carrière. Des gens qui sont un peu plus confirmés, puis des têtes d'affiche. Ça a toujours été la politique du festival. Et voilà. Et Anastasia, je l'ai vue pour la première fois dans un petit tremplin. Ensuite, elle a été programmée au festival et je suis content de la revoir ce soir. Merci Denis, merci beaucoup à toi. Je précise aussi que nous, sur dans le Loft Music, sur Sud Radio, on a aussi reçu plusieurs des artistes qui sont finalistes, mais je ne dis pas qui. Anastasia, on n'a juste pas présenté les musiciens qui t'ont accompagné tout à l'heure. Ce serait bien que tu donnes leur nom. Ouais, leur prénom. Je peux lui dire. C'est James Sandatri à la contrebasse. Merci pour lui. Et Anthony Freneau à la batterie. Merci beaucoup. Et puis les deux titres que tu as interprétés, il y avait « C'était pas simple » et « Amazon », c'est bien ça hein? Ouais, c'est ça. Applaudissements pour Anastasia, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Anastasia. Merci beaucoup. Sud Radio. Loft Music. Spécial prix Moustaki des nouveaux talents. Les meilleures adresses du coin de la rue, au bout du monde. Les destinations incontournables. Les idées week-end des vacances accessibles à tous. C'est du lundi au vendredi, 8h35, dans la matinale info Sud Radio. Avec les escapades du Petit Futé. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Oh, cette remise, comme elle est belle. En même temps, Antoine, vu ton toucher de balle, ça devient banal de devoir faire une belle remise. Ah non, mais là, je parlais de la remise chez Sport 2000. Moins 20 euros direct. Jusqu'au 20 mars, 20 euros de remise sur l'achat d'une paire de chaussures. Sport 2000.
Ça match. Conditions sur sport2000.fr. Écoutez Sud Radio partout et à tout moment, sur sudradio.fr. Vous pouvez désormais surclasser votre famille grâce à BMW. Jusqu'au 31 mars, le monospace compact et le grand monospace BMW sont proposés au prix unique de 320 euros par mois, sans apport, entretien et extension de garantie inclus. Partagez le plaisir de conduire avec BMW. Exemple pour une BMW 2.14 des grands toureurs première en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Offre sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur bmw.fr. Sud Radio, il est 7h. Bonjour à tous. Utilisez... Auriel Publicité vous écoute, vous conseille, vous diffuse. Ensemble, créons une communication adaptée à vos besoins. Radio, internet, événementiel. Renseignez-vous sur pub.sudradio.fr. Auriel Publicité, vous avez le savoir-faire? Nous allons le faire savoir. Cuvius, Loft, Musique, Loft Musique, Sud Radio, spécial prix Moustaki des nouveaux talents. Nous sommes à la 6e édition du prix Georges Moustaki dans ce Loft Musique spécial. Et autour des 7 finalistes dans le jury, il y aura également Laurent Ballandras. Bonjour Laurent. Bonjour mon Yvan. On te connaît mon Lolo, puisque tu es venu plusieurs fois dans le Loft Musique nous présenter des artistes, des coups de cœur. Tu as un parcours qui passe aussi par la radio, ce qui te concerne. Et puis tu as monté une boîte d'édition, on peut dire ça comme ça. Tu es auteur aussi, je l'ai dit peut-être. Et ce métier d'éditeur, alors il a beaucoup changé en quelques années, ce métier d'éditeur. Mais tu le résumes comment aujourd'hui? Quel est ton métier à toi, Laurent? Je crois pas qu'il ait beaucoup changé, je crois que c'est le même depuis un siècle et demi, c'est-à-dire qu'un éditeur musical, c'est quelqu'un qui accompagne un créateur et qui accompagne l'œuvre au-delà de sa création. Je crois que c'est exactement la même oui, chose. Oui, sur le papier, oui. Mais en tout cas, l'activité réelle d'un éditeur a été différente. C'est tout le reste qui est différent. Je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple de faire voyager une œuvre, par exemple. Mmh. Et puis, il y a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui pour la faire vivre différemment, que ce soit sous forme instrumentale, sous adaptation étrangère. Oui, donc en fait, pour résumer l'histoire, un éditeur est là pour faire vivre une œuvre, et la proposer, la faire rayonner. Le plus longtemps possible. Donc tu t'es pour ça occupé d'un certain nombre de chansons d'Olivia Ruiz, d'Emma Domas, des Ogres de Barbac, Marie Nipier et autres Whipper Circus. En quoi tu aimes participer à ce prix Georges Moustaki, Laurent Ballandras? Je suis toujours intéressé par le fait de découvrir. Quand on travaille avec des artistes, des créateurs, on est tout le temps sur eux, en fait. Donc, je vois à peu près 250 fois les spectacles des gens avec qui je travaille, et j'ai peu l'occasion d'aller découvrir, d'aller voir d'autres gens, sauf dans les festivals. Et là, le prix Moustaki, ça contribue à ça. Le prix Moustaki qui est dans un milieu un petit peu difficile, c'est-à-dire qu'il est difficile de se faire repérer aujourd'hui. Comment on fait quand les éditeurs ne vont pas voir les spectacles? Les artistes se font repérer comment alors? Bah justement par ces biais-là, c'est-à-dire que les professionnels, à un moment donné, ils sont forcément quelque part, ils sont dans des jurys, ils sont dans des festivals, donc il faut aller à leur rencontre. Tu vas chercher sur le web aussi, toi, comme d'autres éditeurs? Non, moi je ne cherche jamais, hein. C'est-à-dire que j'ai déjà beaucoup trop de gens dont je m'occupe, donc je ne suis jamais à la recherche de quelqu'un. D'accord. Et puis ça se passe. Enfin, ça se passe peut-être comme ça pour d'autres, mais en tout cas pour moi, ça se passe pas du tout comme ça. Donc il y a des différentes manières de. Je reviens à la question de départ, d'appréhender cette profession d'éditeur. Ah, bien sûr, mais de toute façon, tous les métiers, chacun le fait en fonction de qui il est et comment il vit les choses, évidemment. Merci Laurent d'être passé nous voir. On va écouter un de tes coups de cœur récents, d'ailleurs, elle s'appelle Geneviève Morissette. Je l'ai rencontrée au prix Moustaki l'année dernière. Morissette. Bien sûr, et puis on l'a reçue plusieurs fois dans le Loft Musique. On écoute quel titre de Geneviève Morissette? On écoute Paris, parce que c'est une chanson qu'elle a écrite après les attentats du novembre dernier. Je trouve que de moins en moins la chanson est le reflet de ce qu'on vit aujourd'hui. Et de ce point de vue d'une Québécoise avec sa sensibilité, je trouve que c'est super juste et très émouvant. Geneviève Morissette, à tout à l'heure Lolo. Quand je t'arrivais chez toi, j'avais perdu tous mes repères. Tu m'as offert un toit, un chemin sous tes lumières. Tu m'as donné ton audace et tes bras grands ouverts. Tu m'as prêté tes terrasses, ton monde, tes concerts. Paris, 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 ce soir c'est toi qui es fragile. Ce soir, Paris.
toujours défendre mon idéal et choisir de rester, surtout quand ça fait mal. Tu m'as appris le courage et la joie d'être assemblés. T'as insisté pour que je m'enrage quand ça pouvait tout changer. Paris, 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 ce soir c'est toi qui es fragile. Quand je repartirai chez moi, je me souviendrai comme t'as souffert, mais personne ne pourra Paris éteindre tes lumières. Yvan Cugius, Loft. Loft. Loft, musique, Loft musique, Sud Radio, spécial prix Moustaki des nouveaux talents. Bonjour Pauline Drang. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, avant d'être sur la scène ici de la Sorbonne à Paris pour la finale de ce prix Moustaki pour lequel tu as été sélectionné. Mm-hmm. Tu as envoyé donc ton album et tu as reçu la bonne nouvelle de la part de l'équipe organisatrice en te disant voilà, au mois de mars tu viens pour être sur cette finale avec des collègues, comme on dit dans oui. le Sud, à toi, et pour concourir. Donc ça te fait peur ce regard, ce jugement d'un jury? Ça me fait pas peur, c'est un peu impressionnant, mais c'est très excitant et c'est plutôt une grande joie et, ouais. et une impatience. Ouais. On arrive à faire abstraction facilement du regard de professionnel? Je sais pas, je les ai pas encore vus. Peut-être t'en as déjà fait des concours? Oui, ça m'est arrivé. Ouais, c'est... Là, on essaye de jouer pour le public et mm-hmm. comme on joue en concert, en essayant de faire un petit ouais. peu abstraction. Mais... T'as une longue expérience de la scène et des concerts? Un peu, j'ai tourné 2-3 ans toute seule, un peu, oui. D'accord, guitare-voix donc, oui. c'est ça oui. Comme ce soir, tu seras guitare-voix Ce soir, je suis accompagnée. Non. Avec Laurent Briffaut oui. à la guitare oui. également, d'accord. Quel est ton petit parcours? Tu viens d'où, Pauline? Bah, je viens de la région parisienne, oui. voilà, j'ai fait... J'ai tu commencé... quel âge? J'ai 25 ans. Mm-hmm. Si c'est pas indiscret, ouais. tu donnes ton âge facilement? Ça va. D'accord. Ça va pas durer. D'accord. Et tu as commencé en 2012, c'est ça? Ton projet date de 2012 en tout oui, cas. C'est à peu près le moment où j'ai commencé à faire des scènes avec mes chansons, etc. Oui. Mmh. Un double P sorti en avril 2015. Oui. Pas d'album encore? Non, l'album je suis en train de l'enregistrer. Ouais. Oui. Ouais. Un double P, c'est presque un album. Oui, presque un double P, album. C'est presque un simple album, en fait. Oui, c'est ça, mais... Mais c'est un EP. Voilà. Ça a le statut de commencer quelque chose ouais. et de faire écouter. Tu as l'air très sûr de toi, je me trompe? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. Je ouais. crois, ouais. Tu es à l'aise en tout cas dans ton univers, tu l'assumes parfaitement. Oui, bah, je pense qu'à partir du moment où c'est authentique, y a pas, j'ai l'impression de... Ouais. Ça veut dire ouais. quoi être authentique? Je ne sais pas, c'est que ce n'est pas fait de calcul ni de ouais. vouloir... Sincère. Enfin, je pense, oui. D'accord. Tes influences, tu cites Bachung, oui. Nick Drake, Cat Power. Oui, disons c'est un peu trois pôles comme ça qui peuvent un petit peu s'encercler... Un univers qui me plaît, dans lequel je me sens familière. Une musique assez sobre, assez complexe, comment tu la définis? Assez personnelle, assez, oui, assez introspective, et en même temps, je pense avec une ouverture, j'aime beaucoup la musique produite et la recherche du son, etc. Donc... Oui. Tu t'y intéresses toi-même? Tu programmes, tu... Je le fais pas moi-même, mais je travaille avec quelqu'un et je m'y intéresse quand même, ouais. oui. Mais... D'accord. La chanson fille, c'est plutôt qui, pour toi, tes références? La chanson fille, ouais. ça y est. Des chanteuses? Ah, j'en ai pas cité. Si, j'ai cité Cat Power, bon, oui. c'est une américaine. Mm-hmm. Sinon, en France plutôt, en France, par exemple. Françoise Hardy? Ah oui, Françoise Hardy, bien sûr, oui. J'aime beaucoup Barbara, ouais. Jeanne Moreau, dans un autre style. Voilà, bon, c'est des références un peu plus... Anciennes? Ouais, anciennes. Ouais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui...
Bah, j'aime beaucoup Ruby, qui est une amie et qui a le prix du jury il y a quelques années. Mm-hmm. Raphaël Lanader, Barbara Carlottier, tout ça, d'accord, c'est des choses intéressantes. On va écouter quoi ? Tu vas chanter deux titres ce soir, Ni oui. Vénus ni Maître et également Pont Neuf. Ouais. Tu penses qu'on va écouter quoi après ta prestation de ce soir, là maintenant ? Je pense qu'on va écouter Pont Neuf, qui est la première chanson que j'ai écrite en français et qui me tient particulièrement à cœur. Eh bien super. Pourquoi elle te tient à cœur tant que ça ? Parce que c'est la première que j'ai écrite en français et d'accord, que. Voilà. Merci Pauline, bonne merci chance pour à ce vous. Soir. Merci. Pont Neuf. Viens Pauline, merci. Je suis près de ce micro. Oui. Pauline Rand, tu vas nous présenter ton acolyte, merci. Guitariste d'ailleurs. Oui, c'est Laurent Briffaut à la guitare. Oui, merci Laurent. On va se dire un petit mot, donc le projet date de 2012, c'est ça ? Oui, oui, à peu près, ouais. Ouais. Et un double P, j'ai vu. Oui. 8 titres. À ton actif. Oui. Alors pourquoi un double EP et pas carrément un album ? Parce que c'était la première sortie que je faisais. D'accord. Et ça avait un petit peu le statut d'EP et en même temps il y avait 8 titres et on n'avait pas envie d'en enlever. Bien sûr. Voilà. Il y a eu quelques scènes remarquées, les trois baudets, un passage à la maison de la radio par intermédiaire de France Inter, oui, et puis une ouverture du festival Les Embellis à Rennes. Une, oui, grande expérience de la scène pour toi ou une découverte ?
une expérience petite, mais à chaque fois une découverte. Et un plaisir renouvelé. Et un plaisir, et aussi une peur, ça arrive. Une peur, tu flippais là beaucoup ? Un peu, oui, ça c'est vrai. Ça s'est pas vu, ça s'est pas vu. C'est bien. Merci à vous d'être passé, merci à toi. Pauline. Sud Radio. Loft Music. Spécial prix Moustaki des nouveaux talents. Ça s'est passé ce matin dans le 5-9 Info Sud Radio. Une innovation thérapeutique en France que les laboratoires faisaient payer 3 à 4 000 euros par an. Le traitement atteint maintenant 30, 40, 50, 100 000 euros. De ce chiffre d'affaires, l'industrie ne va consacrer que 10 à 15% à la recherche et au développement des médicaments. Alors que pour ce qui est du marketing, c'est presque 25 à 30%, deux fois plus. Et enfin, surtout, l'industrie pharmaceutique est l'industrie au monde qui fait les bénéfices les plus importants. Notre régime de santé solidaire en France ne pourra pas éternellement satisfaire à ce que nous impose l'industrie pharmaceutique. Le 5-9 Info Sud Radio. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix. Toujours solidaire, jamais solitaire. Ici, ailleurs. Je défends mon pays et toutes ses couleurs. L'armée de terre recrute. 15 000 postes à pourvoir. Votre volonté, notre fierté. S'engager.fr. Et si on parlait véhicule d'occasion ? Désolée, j'ai dû chercher une place pour garer ma Clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète. J'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. 3 heures ! À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma Clio d'occasion ? Ouais, tu m'as dit, ouais. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1 euro de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Sud Radio, dans le Lot. À Puy-l'Évêque, sur 96 FM. Le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Fabien Galthié. Oh, cette remise, je m'en remets toujours pas tellement elle est belle. Mais en même temps, c'est normal, Antoine. Hein. Vu ton toucher de balle, ça devient banal de te faire une belle remise. Ah non, mais là, je parlais pas de moi. Je parlais de la remise chez Sport 2000. 20 euros direct sur des baskets neuves. C'est pas beau, ça. Ah oui, joli. Là, t'as trouvé un concurrent à ta hauteur. Les remises, ça match avec Sport 2000. Jusqu'au 20 mars, moins 20 euros sur l'achat d'une paire de chaussures. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Sud Radio. Yvan Cugius. Loft Music. Spécial prix Moustaki des nouveaux talents. Nous sommes à Paris, à la Sorbonne, pour la 6e édition du prix Moustaki, qui récompense un album autoproduit ou bien qui est paru dans un label indépendant, on appelle ça comme ça, sans de grande usine à gaz derrière. Et donc on est là avec Sud Radio, le Loft Music, pour aider à cette promotion de jeunes artistes qui n'ont pas toujours l'écoute nécessaire. Est-ce que c'est ton cas, Eskelina? Bonjour. Bonjour. Les médias sont généreux, ouvrent largement les portes quand on est une artiste comme toi qui n'est pas encore dans une major, ou qui n'y sera peut-être jamais d'ailleurs. Il faut les aider un petit peu. Il faut les aider. Parce qu'on est quand même très nombreux. Oui, c'est ça. Donc c'est normal. Tu viens d'où, Eskelina, toi ? Tu seras sur la scène tout à l'heure, hein, oui. Dans la finale. Tu viens d'où, Eskelina ? Alors, d'origine, je viens de la Suède. D'accord. Et sinon, je vis en Haute-Normandie, dans l'Eure. Ouais. Et comment ça va se passer pour toi sur scène ? C'est le nom d'Eskelina te représente à toi uniquement, ou vous êtes un groupe ? Nous sommes trois sur scène. Ouais. Donc, je travaille avec le compositeur, qui est donc Christophe Bastien. D'accord. Et qui m'accompagne à la guitare et au chœur, oui, sur scène. Et puis, il y a aussi avec nous Nolwenn Lesour à la contrebasse et au chœur. J'ai vu que tu avais fait première partie de La Ruquette. Est à nous, Renan Luce aussi, oui. Première partie de Cali au Festival Le Marne, Festival Le Marne qui est partenaire d'ailleurs du prix Moustaki, une grande expérience de la scène pour toi. Oui, on commence à avoir fait pas mal de concerts maintenant. D'accord. C'est chouette. C'est une appréhension pour toi, la scène, ou simplement juste un plaisir? C'est un très grand plaisir, vraiment. Tu traques, tu as peur? Ça dépend les moments, c'est plus lié à l'organisation des choses et tout ça, plus, ouais, que la scène même en fait. Ouais. J'aime beaucoup être sur scène. C'est toi qui écris tes chansons? Alors, en fait, c'est un peu particulier pour nous, parce que donc il y a Christophe Bastien qui compose, mm-hmm, et ensuite on se retrouve avec l'auteur qui est Florent Vintrenier. Oui. Et je raconte ma vie, on discute, on philosophe. Ton projet est tout récent, il date de 2012. Tu t'appelles donc Eskelina, oui, et tu vas chanter ce soir donc sur la scène de la Sorbonne. Quel titre en live? Une chanson qui s'appelle Désordre. Un mot sur ce titre rapidement? Oh non, il y a rien à dire. Allez, tout est dit dans la chanson. Oui. Parfait. Bonne chance, Eskelina. Merci. Thank you.
qu'il tienne les ficelles de l'enfer et du ciel, qu'il tire la barre du bon Dieu et non le diable par la queue. La version officielle les appelle l'ordre religieux. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Quand ils s'imposent leur foi, ils imposent leur loi, qu'ils déclarent des guerres et inventent des frontières. La version officielle les appelle l'ordre militaire. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Viennent les destructions et les les rapaces appliquent autour du grand pique-nique. La version officielle les appelle l'ordre économique. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Soit des coups de trique, la version officielle les appelle l'ordre public. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on ferme nos gueules tant que règne leur dynastie. On se moque bien de notre avis. La version officielle les appelle l'ordre établi. Évidemment, bien souvent, nos désirs font des ordres. Évidemment, bien souvent, nos désirs font des ordres. Évidemment, bien souvent, Kélina, tu as raison, l'amour c'est affreux, je le conseille à personne. Kélina, merci, la tonalité, la sonorité hispanisante, arabisante de ce dernier titre, toi qui viens de Suède, dis-moi, comment se fait cette rencontre avec ces harmonies, cette chaleur? Il faut se laisser inspirer, je pense, non? Oui, certainement, bien sûr, bien sûr. Par la chaleur du sentiment, par l'amour, par les rencontres, par le qui voyage. Réchauffe. Les oui. rencontres, justement, elles sont importantes dans les parcours de chaque artiste qui sont là ce soir et ailleurs. Pour toi, il y a cette rencontre avec Christophe Bastien, guitariste de Debout sur le Zinc, qui tombe en amour, comme on dit chez la Morissette, hein, n'est-ce pas? Et qui tombe en amour donc de ce que tu fais, de ta voix, qui avait envie de travailler avec une chanteuse. Et donc la rencontre se fait et donne ceci. C'est un peu en raccourci, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, je faisais pas grand chose quand on se rencontrait. Enfin, je faisais la musique, mais je fais plus de choses maintenant depuis que je travaille avec lui. Oui, c'est vrai. Voilà. Et avec Florent Vintrinier, du coup, qui écrit les paroles. Oui, de la requête à nous. Tout à fait. Ouais, absolument. Oui, absolument. Tu es tombé en amour, je le redis, pour la langue française. Toi, cette matière de mots français t'a séduite au point de les utiliser, d'en faire une langue extrêmement importante après ta langue maternelle. Oui. Parfois, je me demande si je ne me débrouille pas mieux en français qu'en suédois. C'est vrai. Tu penses, quand tu écris ou que tu as envie d'écrire, tu penses français, tu penses suédois? Alors, quand j'écris, j'écris pas beaucoup en ce moment, j'avoue, mais quand j'écris des textes, j'écris plus en suédois, par contre. Ouais. Ouais, ouais. J'ai pas encore les nuances vraiment comme j'aimerais en français, ouais. En fait. La consonance suédoise n'est pas la même, j'imagine. Dis-moi une phrase en suédois, que je me rende compte comment ça sonne, le suédois, pour faire des chansons. Hey, det trillte träffas. Ah, c'est plus difficile. Jag är väldigt glad att vara här ikväll.
C'est plus difficile à utiliser. Quels sont les projets pour toi, Escalina? Nous sommes plein train de proposer, de préparer et de proposer plus tard un deuxième album qu'on espère va être prêt pour le printemps 2017. D'accord. Donc là, on est encore un peu en phase d'écriture. On a déjà plein de chansons. Mais on continue un peu dans la même veine où il y a encore beaucoup de textes de Florent Martinier et des musiques de Christophe Bastien. Moi, je me suis lancée aussi à composer, à écrire. Donc, il y aura certainement quelques chansons en suédois aussi. Et on a commencé un travail avec Batlik aussi, qui a proposé deux chansons qu'on a déjà commencé à intégrer. Il y a eu beaucoup de scènes en ce qui te concerne, des premières parties, des festivals, des concours, beaucoup de moyens de se faire remarquer et de se faire repérer. J'aime bien ça. Ça a été efficace. Oui, ça avance bien. Je suis très bien entourée. On est une équipe soudée. Et on est très soutenue aussi. Ça nous fait beaucoup de bien. C'est vraiment que du plaisir. Toujours même instrumentation sur scène. Ça se passe en trio comme ce soir? Oui. Ou des fois, il y a un pupitre de 15 cuivres, d'un orchestre symphonique et tout ça. Pour l'instant, on n'a pas trouvé des 15 cuivres qui sont d'accord de voyager dans un minibus. Oui, c'est ça. Le problème, c'est le bus, en fait. on est d'accord. Merci d'applaudir Escalina, s'il vous plaît. Le Loft Music Sud Radio. Spécial prix Moustaki des nouveaux talents. Du lundi au vendredi dès 8h avec Cyril Viguier. Territoire d'info. L'interview politique quotidienne Sud Radio Public Sénat. 15 minutes d'interview sans concession. Suivi du débriefing des meilleurs éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, 8h, 8h30. Du lundi au vendredi dans le 59 Info Sud Radio. Et sur Public Sénat. Leclerc. Mathilde, je peux me faire un petit café Senseo? Oui, vas-y maman, tu sais comment ça marche. Les dosettes sont dans le placard, hein. J'ai trouvé. Dis donc, vous avez ce qu'il faut. 30% de réduction immédiate sur les dosettes Senseo en ce moment chez Leclerc. C'est parce qu'un bon café, c'est important, que du 16 au 26 mars, le paquet de Senseo classique Corsé Oudou de 48 dosettes plus 6 gratuites avec 30% de réduction immédiate est à 3,36€, soit 8,96€ le kilo après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Un bon café comme ça, avec 30% de réduction. Chez Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. On a chargé 4 carcasses de bœuf, 5 d'agneaux, 3 de veau. Ok, on file. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Master est à 195€ par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Les jours boosters du 21 au 26 mars. Venez profiter de nos offres exclusives et tenter de gagner un Kangoo chez nos partenaires pro. Loyer taxe crédit bail maintenant 60 mois, 80 000 km pour Master. Sous condition de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 avril, si acceptation par Diakessa. Règlement et liste partenaire sur Renault.fr. Sud Radio en Ariège. À Foix. Sur 103.7. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud ! Mais t'es calé ton fusée ? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio. Yvan Cugius. Loft Music. Spécial prix Moustaki des nouveaux talents. Parmi les jurés du 6e prix Georges Moustaki, il y a Juliette Solal. Bonjour ma Juliette. Bonjour mon Yvan. Tu es coach scénique. Dis-moi en deux mots, parce qu'il y a beaucoup à dire effectivement sur ce métier, mais en quoi consiste le métier de coach scénique? On accompagne comment un artiste? En fait, on l'accompagne avec... on essaie de comprendre son univers, ce qu'il a envie de proposer, aussi bien musicalement qu'émotionnellement, qu'individuellement, puisque chaque artiste a un univers différent et un parcours différent. Donc, on s'intéresse déjà à qui il est. Et ensuite, on essaie de voir un petit peu comme un troisième œil comment on peut l'aider à... comment l'accompagner vraiment dans sa projection, dans comment il peut imaginer faire les choses. On l'aide à se révéler finalement, on l'aide à sortir la substantifique moelle, c'est ça? Complètement. Ouais. Comme un réalisateur d'un album, on a des points communs avec un réalisateur d'album? Oui, parce qu'on est sensible aussi bien à la rythmique qu'au contenu. Mm-hmm. Notamment moi, le texte, je travaille principalement en plus avec des francophones. Mm-hmm. Et donc du coup, je suis très, très attachée au texte. Ça veut dire que pour être plus précis, on s'intéresse à la manière de se mouvoir sur scène, au placement. Exactement. On peut s'intéresser aux lumières. Mais à on n'invente pas, c'est-à-dire on ne fait pas du théâtre. Oui. C'est-à-dire qu'on prend vraiment l'artiste. Il y a des artistes
artistes qui sont statiques et qui sont très présents et qui sont très forts, oui. Et d'autres qui sont statiques parce qu'ils sont mal à l'aise, et c'est là qu'il faut un peu dégeler, ouais, tout ça, ouais, et travailler sur l'espace. Il faut une connaissance très très globale, très large de ce métier, hein, de scène, pour faire ce que tu fais. Bah oui. Une expérience aussi. Bah en fait, moi j'y suis venue complètement par hasard, mais c'est parce que aussi j'ai à peu près 30 ans de scène dans les pattes aussi. Je suis aussi musicienne, guitariste, chanteuse, auteur, compositeur. Et c'est vrai que j'ai foulé la scène et j'ai rencontré tous les cas de figure où je me suis pris des murs, où j'ai eu des moments de gloire, enfin, j'ai eu vraiment des up and down comme ça. Et du coup, je ressens ce que l'artiste ressent et j'ai envie de l'aider. Quelle est la principale difficulté récurrente, j'allais dire, dans ton métier et dans le lien que tu as avec les artistes ? La difficulté, je crois que la chose qui revient le plus souvent en fait chez les artistes, c'est vraiment la non-confiance en soi. Oui. Donc on travaille là-dessus, sur la légitimité qu'il a à avoir fait ce choix ou pas. Enfin, je parle de la légitimité. Et de pouvoir l'exprimer en toute liberté, en toute tranquillité, en fait. Ouais. Alors, c'est des parcours un petit peu qui passent par... effectivement, des fois, on discute pendant un bon moment avant d'être même sur scène et de faire les choses. On va te retrouver ce soir dans le jury donc, du prix Georges Moustaki. Et on va écouter une chanson « Porte-bonheur » pour toi, que tu as choisi de nous faire entendre. Laquelle, Juliette ? Oui, c'est « La nuit, je mens » de Bachung. Mm-hmm. C'est une chanson que j'ai été obligée moi-même d'interpréter quand j'ai passé ma formation de formateur au studio des variétés à Paris, quelques années. À tout à l'heure. Merci. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho.
Loft Musique Sud Radio. C'est la fin de cette première partie du prix Georges Moustaki, la finale qui se déroule ici à la Sorbonne. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite, la deuxième partie, et puis surtout pour le résultat final et le lauréat prix Moustaki 2016. À demain, bonne soirée à vous sur Sud Radio. Sud Radio, Loft Musique, spécial prix Moustaki des nouveaux talents. Sud Radio, il est 21h. Tout de suite, le replay de Sud Radio Service Compris. Sud Radio Service Compris. Véronique Jacquier. Bienvenue et bon après-midi, évidemment, en compagnie de Service Compris sur Sud Radio. Dans un instant, le Service Compris de notre expert en crédit immobilier, c'est Laurent Debatte, c'est le